On va faire tout ce qu'on peut pour te soutenir. Merci. Merci, Sophia. J'ai besoin de toute l'aide possible. Thank you.
à toutes les escouades. J'ai Constant visuel. Il ne faut pas qu'elle entre dans la chambre des âmes. Constantin. Sophia, est-ce que vous pouvez l'atteindre avec le trébuchet? On va essayer. Prépare-toi. Je ne pense pas que vous arriverez à le toucher. On va continuer à essayer. On recharge le trébuchet. Attends un peu. On ne réussira jamais à l'atteindre d'ici. Je sais. Je dois toucher la boule de feu en plein vol. Préparez-vous, on va réessayer. Il faut qu'on remette le contrepoids en place. On n'en a pas pour longtemps. Je suis prête. C'est parti. On se battre avec moi, espèce de lâche. Ah, non. Envoyez-moi une unité. Vite, débarrassez-moi d'elle. Yeah!
Vous et moi, maintenant, Lara. Vous n'avez pas d'armes, pas d'alliés. C'est sans espoir. Cet endroit sera votre tombe. Non, mon destin m'attend dans la chambre des armes. Je suis trop prêt.
je le connaissais. J'étais là quand ma sœur s'est infiltrée. Ça, j'étais promis un grand destin. Ça n'a jamais été votre destin. Juste un mensonge que votre sœur a entretenu. J'ai fait tout ça... dans un seul but. Qu'elle vive. Vous n'avez pas le droit de partir. Attendez! Les Trinitaires ont tué votre père! Non! Vous mentez. Il nous a supplié de l'épargner. Et ensuite, il s'est servi de vous comme excuse. Brûlez en enfer. Et ton frère est mort. Non, c'est ce que les Trinitaires ont apporté. La mort. Et c'est tout ce qu'ils apporteront. Abandonne. J'ai tout abandonné pour ça. Pas question de laisser les Trinitaires s'en emparer. As-tu pensé à ton père? Tu veux le condamner à être la risée de l'histoire pour toujours? Comment peux-tu seulement l'envisager? Tu es si près du but. Je préfère encore faire ce sacrifice. Je ne peux pas te laisser la prendre. Pense aux millions de personnes malades et mourantes. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons changer le monde. Rejoins-moi. Le prix à payer est trop grand, Anna. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. La mort est une étape de la vie. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas en train de mourir. Il ne s'agit pas que de toi. Toute l'humanité est concernée. Nous devons préserver notre mortalité. Ils approchent. On est encerclés. Jacob, attention! Le monde n'est pas encore prêt pour la source. Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Je suis prête à mourir. Ce n'est pas mon cas. Pitié. Je suis mourante. C'est mon seul espoir. Accrochez-vous. Je m'accroche. Depuis bien trop longtemps. Vous saviez que j'allais la détruire.
Durant toutes ces années, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi extraordinaire. Mon heure est arrivée. Je meurs. Je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était changer les choses. Vous avez réussi. Je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Croft, qu'est-ce que cela signifie? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace dans ce monde un jour. Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes. Détruire la source était la seule chose à faire. Je l'ai quand même laissé tomber. Je pense qu'il aurait fait pareil. Allez, t'as un avion à prendre. J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait, je dois faire mes propres choix. La cité de Kitège existe bel et bien. Il se cache des secrets là-dehors qui peuvent changer le monde. Je dois les découvrir. Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre. Mais pour changer les choses. Espérons que ce soit pour le mieux.